qu'est-ce devant midi? Mais non, monsieur le maire, on parle de la course de dimanche. Ça vous tenterait-tu de rentrer avec les autres? Ça vous fait plaisir de m'arracher 10 piastres. Ça sera bien la première fois. Oh, mon genre est capable d'endurer ça. Mon bras, c'est la fin. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Vous allez gagner 40 piastres, pensez-y. Ben, je pense bien assez. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai oublié que c'est moi, c'est le père Ovid, qui va conduire Volage. C'est vrai, il a raison. Il connaît ça, le père Ovid. Vous avez pas confiance en moi, monsieur le maire? J'ai bien confiance en vous, c'est pas ça. Mais une course, c'est une course. C'est comme une élection. On sait rien qu'après. Moi, mon honneur est en jeu. Je suis sûr de gagner. N'oubliez pas, Béovine, que ma volaille est vieillie. Ah, rien que 7 ans, puis c'est encore une bien bonne routeuse. Il y en a un que je doute bien, yo. Qui, on ça? C'est Alexis, avec son grand jaune. Pourquoi Alexis plus qu'un autre? Il est bien cochon. Parle donc pas de même, Séraphin. Alexis, il m'en veut à mort. Je le doute du diable. Vous connaissez, Pousse. Il peut vous couper dans le détour, là, ben. Ah, qu'il se colle pas trop, là, moi. Je suis bien meilleur postillon que lui. C'est dimanche prochain, la course? Dimanche après-midi à 3h de matin. Mais, d'accord, là. Non, mais il me semble d'avoir voilà, il est meilleur. Oui, non, voilà, oui, marche, ma voilà, oui, non. Vendez-vous pas trop, là, ben, on va avoir des surprises. J'ai besoin d'être plus confiant, mon mari. Il n'y en a rien qu'un qui me fait peur, je vous répète, c'est Alexis. Les autres, je m'en sacre. D'abord, moi, j'ai une idée. Quelle idée? Il reste 3 jours avant course. Vous allez me laisser voler. Pourquoi faire? Je vais l'entraîner une couple d'heures par jour. Je vais la soigner à mon goût et en prendre soin, puis. À part de ça que j'ai mon petit remède. Quel remède? C'est un secret. Mais une minute avant la course, m'en va en donner une gorgée à voyage. Bien, j'ai pas envie de la tuer. Oui, non, non, je suis pas fou, monsieur le maire. Mais faites attention, c'est une bonne bague, bien douce et bien écoutante. Craignez rien, madame. C'est un petit stimulant que je m'en vais y donner. Ah, mais faites-vous pas pogner, vous savez que c'est défendu. Non, hein? Personne ne va me voir. J'ai me dit une chose, Béovine. Oui, de quoi, monsieur le maire? Qui c'est qui a blessé une gageure à 10 piastres? Alexis? Alexis. Ça va bien. Espèce de quiéteux, mon tangeois. Les autres années, on gageait 3 piastres, c'est arrivé une fois. Ouais. 5 piastres, mais 10 piastres, c'est bien trop. Comme mère, tu peux plus reculer. Tiens, chien. Ne sois pas si nerveux, Séraphin, assis-toi. Oh, c'est bien toi une créature. 10 piastres. Ça te pèse pas au bout du pouce. Tu pensais avant? Ah, c'est bien. Ah, il faut plonger, plongeons. Ouais, faut faire les dépôts avant midi. Ah, oh, ben, allons-y. On va voir à course, même la mairesse. Non, je pense pas, Pérovide. J'ai une mauvaise toux depuis quelque temps, puis je pense que j'aime mieux pas sortir. C'est de valeur. J'ai manqué quelque chose de beau. Vous en sacrez pas mal, ou... Pour vous dégager, moi je gâche mon honneur. C'est encore bien plus grave. Oh,
content, curé. Quoi donc, tu? Belle nouvelle, paru dans le Nord. Ouais. Dernière course de chevaux. C'est à Saint-Adèle dimanche prochain à 3h, qu'aura lieu sur le lac. La dernière course de chevaux de l'hiver. Ah ben, toi dire comme toi, tu, toute une nouvelle. Il y aura plusieurs concurrents, attend des surprises, d'autant plus que le vainqueur touchera une bourse de 50 piastres, curé. Pas 50 piastres. 50 piastres, c'est écrit en toutes lettres, voyez par vous-même. On attend. Ah. Ouais, je me demande qui va courser. Ben, moi d'abord. Hein? Pas avec ton bailleur. Non, mais avec votre cheval à vous, petit prince. Ah non, jamais. Non. Pourquoi pas? Ah non, petit prince, et puis d'âge à courser, 10 ans. Voyons, curé, petit prince est capable de battre des chevaux de 3 ans. Puis d'ailleurs, tout dépend du cocher, tout dépend de celui qui conduit le cheval. Prince, je le connais très bien. Si je le conduis, je peux vous assurer qu'il peut en battre plusieurs. Et curer une bourse de 50 piastres, voyons. Es-tu sérieux, toi, quand tu parles de même? Mais tellement sérieux que j'ai envoyé mon argent au marchand de la cour. Oui, mais c'est pire. C'était mon dernier 10 piastres. Prends un risque comme ça. Tu perds la tête, tu. Et si je gagne, la bourse, je vous la donne pour vos colons. Ouais. Si tu perds, bon, voyons, perds. Pas pour sûr. Pas de fond. Voyons, perds. Ben oui, mais on sait jamais. Mais qui c'est qui va pousser? Je ne sais pas, curé, mais je connais tous les chevaux du Nord. Puis je vous assure que votre petit frère sortira vainqueur. D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois. Non, si c'est pas la dernière. Bon, ben alors, vous acceptez? Acceptez quoi? Ben, de me confier, petit prince, pour prendre part à la course de dimanche prochain. Ben, je peux pas te refuser, maintenant que t'as déposé 10 piastres. Ah oui, j'ai envoyé mon argent hier. Envoyez-toi. Mais tu pouvais toujours m'avertir? Vous pouvez pas, curé, vous étiez à Québec. Tu savais que je te refuserais pas. Ben, je pensais que c'était une occasion favorable de faire un beau 50 piastres. Je te dis que t'as l'air sûr de ton coup. Curé, qu'est-ce que vous voulez? Les courses de chevaux, c'est mon sport favori. Ouais. J'haïs pas ça, moi non plus. Mais j'aime moins qu'on fasse des gageures. C'est contre mes principes, tu le sais. Écoutez-moi. C'est pas vous qui pariez, c'est moi. Hein? Non, t'as toujours aimé le danger, le risque. Hein? Prendre des chances. Curé, c'est un des beaux côtés de la vie, ça. Ouais. Bon, alors dimanche, vous serez là pour m'encourager, pour me... Hein? Non, en fait, tu me promets que tu vas me donner de l'argent pour mes colons. Ça, c'est promis. Non, c'est promis, c'est juré. Vous l'avez bien écrit? Oui, me prends-tu pour Séraphin? Non, mais je pense à une chose, Arthur. Laquelle, curé? Si Mme Méfait rentre dans la course avec un de ses chevaux, vous gagnerez jamais. On verra bien. Oui, bébé. Oh, j'ai pensé à une chose. Pourquoi ne prends-tu pas un de mes chevaux de course pour dimanche? Ma délivrance, pourtant vrai? C'est bien que je peux pas faire ça. Ils voudront jamais. Non? Ils pourront jamais courser de compter l'ambleur de 3 ans. Non. Je te remercie pareil. Je vais prendre mon grand John. Pas pire, ton grand John. Je te pense. Dimanche passé, j'ai battu le notaire avec. Oh non! Il va être mortifié. Tu me le dis. Il s'attendait pas à ça. Son conquérant, c'est un des meilleurs courseurs des pays d'en haut. Fais attention à toi dimanche. Crains pas, j'ai pas peur de lui ou de rien d'autre. Oh, il paraît que Séraphine peut venir à la dernière minute. Séraphine, avec Volaille? Yes. Un poule noir, elle est bonne, une vraie picouille, on va rire tout à l'heure. Ben voyons, avec si tu sais bien que Séraphine gagera jamais de piastres. Ça me surprendrait qu'il gage. Attendons à dimanche. Tu vas être là, bébé? Oh, oh. Of course, Alexis. Mais c'est un grand événement, je ne voudrais pas les manquer. J'en puis, ni moi non plus. Prends-tu un verre? Non, thank you. J'ai un peu de correspondance, alors je monte dans mes appartements. T'as pas eu la visite de Mlle Léontine dernièrement? Oh, you, Léontine. Oh! Voyons, voyons, Alexis. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus le droit d'aller dans les appartements de Mme Méfait. C'est pas l'air que ses amours avec le père Ovid, ça n'ait pas marché. J'ai dit, il voit l'air quand c'est l'affaire sortie de père Ovid de la salle à manger. Il paraît que Séraphin a mes oreilles dans le crin. Oui, puis le père Ovid avait l'air bête. Tu comprends, Séraphin l'a traité ni plus ni moins de guenillou puis d'endetté. Lui, il avait fait accroire à Mlle Léontine qui était riche. Mais c'est un bon châtiment pour un menteur tel que le père Ovid. Moi, j'ai horreur du mensonge, je l'ai toujours puni. Autant que tu voudras, bébé, Séraphin m'aurait pas sorti, moi. Ah oui, mais toi, Alexis, c'est pas pareil. T'es tout un homme, t'es pas une poule mouillée. Ça l'empêche pas que le lendemain, le père Ovid est municipal. Puis il m'a bien dit que c'était fini avec Séraphin. Fini? Vous, le noir, ça vaut un coup. Oh, ne bois pas trop, toi. C'est mon deuxième verre, je m'en vais. Ah, ben, sois en forme pour dimanche. Regarde-toi pas, je serai toute là. Y a personne pour me battre. Sais-tu que je gagerai pour toi, moi? Moi aussi. Mais ton grand John, c'est un cheval de grande classe. Ouais, ben, oubliez pas l'homme qui va le conduire. Oh. Salut. À dimanche. Bonjour, Alexis. Bye, Alexis. Et vous, Delima?
Est-ce que vous serez là dimanche? Moi, ben pour sûr que je vais y être, je ne voudrais pas manquer ça pour tout l'or au monde. Good! Des courses ici, je suis là, dimanche. Ouais, j'ai entendu parler de ça au travers des branches. Comme tout le monde à Montboisel. Ouais, tout finit par se savoir. Hein? Accepterais-tu de conduire ma cendrée? Tu la connais bien? Ouais, pas mal trop vite pour moi, votre cendrée. Ah, voyons, tu l'as déjà mené. Ouais. Quoi c'est fait, vous prenez pas Todor? Oh, Todor, il connaît pas ce que c'est qu'un vrai courseur. Oh, pour dire le vrai, M. Bouchonneau est pas l'homme qu'il faut. C'est toi, Montboisel, qui va conduire ma cendrée. Ah! Moi aussi, je suis capable. Capable? Un père de famille de 13 enfants vivants. Hé, wow! Certain qu'il est capable. Hein? Je m'en veux déposer 10 piastres et puis si on gagne, je parlerai avec toi la bourse de 50 piastres. J'en aurais pas besoin. Puis je te le dis devant Bidou ici, on a bien des chances de gagner. Ouais, mais vous avertis, M. Lacour, moi j'aime pas vraiment ça, les courses. J'aime pas ça, ma gagner une pauvre bête. Bon, je t'aurais pas besoin de passer une fouette à ma cendrée. À marche au commandant. Action! Qui va courir en course? J'ai tout ça de marqué ici, là. Ouais. D'abord, il y a Alexis qui va mener son grand John. Il y a Bidou qui va mener Mignonne, de non. M. Lalonde. Ouais. M. Buis, le petit prince au curé Labelle. Puis toi, mon voisin, ma cendrée. Alors, qu'il est, on est quatre. Ça fait 40 piastres de rentrée. Mm. Oui, mon vieux. Puis j'ai l'argent en main. Les inscriptions finissent à midi tapant. Comme ça, on va être quatre. J'aime mieux ça, moi, ça. Ça fait plus d'espace. Ah! Non, on était supposé être 5. 11h30. Ça ne me surprendra pas si M. le notaire prenait part à la course. Avec conférence? Oui, ben, bon courseur à part ça. Ouais. Ouais. Qui c'est qui le mènerait? Ben, M. le notaire lui-même, tu l'as pas vu courser cet hiver. Non, ça ne l'a pas donné. Ben, je te dirai, mon Bidou, que c'est le concurrent le plus dangereux, ça. Ouais? Ouais. Ben, le pire, laissez-moi les guides, hein? Puis vous allez voir que votre mignonne va arriver bon premier. On verra ce dimanche. Ben, j'aimerais autant qu'on course sur rien que quatre, moi, M. Lacour. As-tu peur de t'accrocher, mon bon Zé? Ben non, monsieur, c'est moins dangereux. Ouais, ben en tout cas, frotte-toi pour moi, je te donnerai pas une chance. Gros de mec! Après tout, c'est un free-for-all. Ouais, des surprises. 50 piastres à gagner, ça vaut la peine. J'attendais toujours pas après ça pour vivre, M. Lacour. Mais non, c'est la loge, mais l'argent, ça lui jamais. Ah, ça, c'est bien vrai. Ouais, pour moi, ça va donner un coup dimanche. Ouais. De quoi c'est la plus grosse gageure qui s'est encore faite par ici? Tiens, Benoît! Ah, bonjour, M. le maire. Salut, mon frère. Ah, bonjour. Salut, Agomagné. Un petit cocus ici demain midi. Mais non, M. le maire, on parlait de la course de dimanche. Ça vous tenterait-tu de rentrer avec nous autres? Vous pouvez baiser, mais j'ai du bien. Ça sera bien la première fois. Oh, mon genre est capable d'endurer ça. Pas vrai, Séraphin? Il est trop tard pour entrer dans la course. Vous arrivez juste à temps. Comme ça, vous allez rentrer avec les autres. Qui c'est qui course? Voilà la liste. C'est des courseurs et puis des conducteurs. Il y a quelqu'un qui me fait peur. Ah ouais, qui ça, le beau-frère? Ah ouais. Pas la peine à parler. Vous allez rentrer ma volaille. Volaille? C'est le père Ovid qui va mener. Volaille? Le père Ovid? Non! Le père Ovid! Le père Ovid! Le père Ovid! On va y aller dimanche. C'est pour ça qu'il y a des chances. Des chances. Thank you.
prendre les devants en partant. Pas besoin de me le dire, curé. Non, mais des fois. Hein? Moi, tu prêt? On a gagné la course pour mes colons, hein? 5 heures, curé, 50 piastres, ça paye plus que la loterie nationale. Ouais. C'est une course de 1000? Bon, on va discuter ça tout à l'heure avec M. Lacour, Bidou, puis de... les autres. Tu le regrettes pas, tu? Je fais quoi? De prendre part à la course. Ah non, voyons, curé. Surveille Alexis. Son grand John est dangereux, tu le connais? Ne vous inquiétez pas, curé. Bonjour, bonjour, M. Lui. Salut, bonjour, M. Lalonde. Comment ça va? Ça va bien. Il a fait. Ça va bien aussi. C'est vous qui courez aujourd'hui? Ben là, c'est mon bidou. Faut que j'aille voir mon bidou. Là. Faites donc ça, M. Lalonde. Son bidou. Tu dis qu'il ne peut pas perdre la course avec son bidou. Ouais, c'est ce qu'il s'imagine. C'est pas trop fort, mon vidéo. Inquiétez-vous pas, le père, je vais y passer le poids juste ce qu'il faut. Mais une course, c'est une course, j'ai pas envie de la perdre, moi. T'as entendu que si on gagne, on partage. Faites bien v'là, le père. Ayez confiance en votre garçon. Bonne chance, mon vidéo. Hi, mignonne. Oui, c'est bien simple, j'ai jamais été mal de même. Voyons, voyons, prends si tu veux, Basile. Tu vas gagner ça. Ah. Oh, Chandré, hein? Tu ne m'aimes pas pour y donner le fouet. Salut, mon voisin. Hey, salut, Père Lalonde. Salut, M. Lacour. Salut, M. Lalonde. C'est pas nécessaire, je te l'ai dit tout à l'heure au magasin. Tu feras attention dans les détours. Attends, je pense que c'est la première fois que je course, moi. T'as toutes mes confiances. Hein? Wow, wow! Regarde là, c'est guéri! Madame Ducresson, Madame Méfer! Bonne chance, Basile! Good luck, Mr. Fortune! Merci bien, merci bien! Bon, on va aller me placer en ligne, hein? Ça va bien! Ça va! Ça va! Come on! Dis-moi ça! Yeah, you for sure! Oublie pas de jeter sa couverte avant la course, ça! Boule noir qu'on va rire. Quand je pense que c'est Raphaël pour de venir courser avec mon oeil. N'oublie pas que c'est le ferroviaire qui va l'amener. Mais en toi, là, je donne le départ dans quelques minutes. Je vais prendre ma place, j'y vaudrais là. Oh, n'oublie pas, Alexis. Attention, le cheval de M. B. Look out! Lui ou un autre, pas peur de personne. Tiens, ma volaille allait distiller. C'est un jeu qu'il y a. Non, le père. J'ai vous donner des petits stimulants, des remèdes spéciaux. Vous savez bien que oui. Personne vous a vu. Je savais bien que non. Ben, gagne demain. Vous avez pas peur, hein? Ben, pas la question. M'oubliez pas que j'ai gagné 10 piastres. Ben pire, moi, j'ai gagé mon honneur. Bon, ben, bonne chance, le bébé. N'oubliez pas, cognez-vous sur le bord. Ah, ouais. Ah, ouais, voyons. Ouais. Ah, ouais. Allez, ma robe. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on.
félicitations, je te dis. Merci, monsieur Buis. Broyez pas, monsieur le maire, on a gagné. Monsieur, je peux mourir de joie. Ah. Une minute de silence. Il me fait plaisir de remettre au vainqueur la bourse de 50 piastres. Ah, bon, merci, monsieur. Mes compliments, monsieur le maire. Merci, merci, monsieur. Félicite, monsieur le maire. Monseigneur, merci bien, monseigneur. Attention, mon Jean. Merci, mon maire. Bien content pour vous, monsieur le maire. Je savais que vous gagneriez, Pérouville. Vous êtes un conducteur de première classe. Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ça vaut bien un petit quelque chose, hein? Je vous dois pas une tokenne, Berwin. Ah ben, c'est pire. Vous avez cossé pour l'honneur, gardez l'honneur. Moi, je garde l'argent. Ah oui, mais je vais l'honneur, oui donc. Hé, hey, attendez-moi au moins. Vous viendrez avec Bidou. Ah oui, mais je vais l'honneur.